Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la scène d'offre au bas de la scène en face du Coca-Cola. On se retrouve comme promis hier pour la continuité de cette compétition officielle virtuelle de l'UEFA Euro 2016. Avec la Belgique, le représentant Coca-Cola et le dernier qualifié de cette compétition va nous rejoindre tout à l'heure, le Mexicain, qui lui évoluera avec l'Angleterre. On a les deux premiers joueurs qui vont s'affronter. Je vais me rapprocher tout doucement pour leur donner la parole. On va prendre les impressions. On va commencer avec Amadouche. Allez, je vous demande de vous installer. Cortés-Simas, le Mexicain. Sitao et Antoine Schwartz, alias Anonymous, le représentant de SitioSig.com. Lors du tirage au sort, il nous a dit: je joue avec l'Angleterre et je vous l'annonce, je vais gagner le tournoi. Est-ce qu'il est capable de remporter la compétition? Creo que debe ser un regalo muy fuerte. Germany is a maybe the best team, is an amazing player too. And well, yeah, to England, that is one of the best, and he has an opportunity to win. And he's happy to be here. Il a quand même une bonne équipe, l'équipe d'Angleterre, hein, donc, qui a été éliminée dans l'Euro réel très tôt dans la compétition. Mais là, je vous rappelle, c'est la compétition officielle virtuelle de l'UEFA Euro 2016. Ce ne sera pas Allemagne-France, mais Allemagne-Angleterre, d'ici une bonne vingtaine de minutes. Les joueurs qui sont en train de se préparer pour la première demi-finale. Deux anciens champions sur Pro Evolution Soccer. Deux anciens champions. Il y en a un qui est toujours champion encore aujourd'hui. C'est Walid Rachid Teban, qui est le double champion du monde. Sur Christopher Maduro Moret de le rejoindre. Alors on a avec nous deux joueurs qui ont à eux deux. Par Walid, Coupe du Monde pour Christopher, mais également pour Walid. C'est vraiment les deux meilleurs joueurs du championnat de France de football virtuel. On va poser quelques questions. La marque Adripel, comment tu sens cette ambiance, toi qui as participé à la Coupe du Monde, etc. En sachant que le règlement, il y a les choix des équipes qui sont imposés par un tirage au sort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, écoute, honnêtement, les équipes, c'est un petit bon noir, mais au-delà de ça, c'est une bonne organisation. Bah écoute, franchement, je vois Jean-Pierre. Lui, s'est contenté d'a gagné deux fois. Par contre, il lui reste encore, j'ai envie de dire, une petite compétition, car aucun Français n'a jamais conservé. Est en finale et nous on a la possibilité de retrouver un Belgique-Croatie et tout à l'heure Allemagne-Angleterre. On va aller voir si les joueurs sont prêts. Ils sont en train de faire les réglages. L'interview d'avant-match a déjà été faite tout à l'heure. Récapitulatif, Amadouche nous a dit qu'il était opérationnel pour remporter ce match avec la Belgique. Il évoluera face à l'Angleterre. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il y a à gagner pour cette compétition? Il faut savoir que le vainqueur aura la possibilité d'avoir deux billets pour la finale de l'Euro le 10 juillet. En plus de cela, il soulèvera le trophée une heure avant au Stade de France devant les milliers de téléspectateurs.
et bien sûr les lots qui vont avec, fournis par les différents partenaires qui étaient présents, Coca-Cola, Adidas, Abritel, Hisense, Orange, SNCF, la ville de Paris. On aura donc un voyage d'une valeur de 1000 euros. Il y aura aussi la possibilité de remporter la télé, un téléphone portable, des kits Adidas et beaucoup d'autres choses. Donc, croyez-moi que ce match est très important. De l'autre côté, on a un Mexicain qui a fait plus de 10 ans, Christian 42. Il nous a dit, j'ai pris l'avion, je ne suis pas venu pour rien du Mexique. Je vous l'annonce, je remporterai ce tournoi avec l'Angleterre. On en reparle dans 20 minutes, il aura passé à lui l'Allemagne. On voit ça sur les écrans juste au-dessus de vos têtes. Attention à la première ouverture du score peut-être. Et pour ceux qui sont online, la diffusion aura lieu sur Twitch directement. Sur le serveur Twitch, vous pouvez suivre la compétition officielle virtuelle. Attention à la deuxième attaque belge, c'est directement l'ouverture du score pour Amadouche, le représentant français. Et l'arbitre qui siffle hors jeu, fausse alerte. Et là c'est la fausse alerte, on y a cru du côté de la Belgique. Il va falloir se reprendre, 0-0, 4ème minute de jeu. C'est maintenant qu'il faut montrer ce dont vous êtes capable, messieurs. Vous vous êtes battu il y a plus d'un mois. Double contact, pied droit, pied gauche. C'était pas forcément utile. Récupération pour les Croates. Lucas Modric, le merengue qui lance Perisic, le joueur de l'Inter de Milan. Et c'est le goal, le premier but pour la Croatie. Le joueur espagnol Alex Alguacil qui ouvre le score après une passe posée du Madrid pour l'Interiste. Récupération de Lich, le contrôle est un peu trop long. 30e minute, toujours à 1-0 pour la Belgique, pour la Croatie. Encore Luka qui revient sur Subasic. Mandzukic de la tête comme à son habitude, sa qualité première, le jeu de tête à Mandzukic. Les pronostics ont été faits tout à l'heure par le double champ. Change de côté sur Leskovic. Kovacic. Récupération du Belge, très très timide dans cette partie des Belges. Précipitation du côté du Belge. A chaque fois que le ballon est récupéré, il est perdu immédiatement. Essayez de calmer son jeu pour Amadouche. Arrêt de Thibaut Courtois, il extrémise. Ça n'a pas la même valeur de jouer dans sa chambre que jouer sur la scène Joffre, bien sûr. Les joueurs sont un peu stressés, les mains moites, il nous le disait tout à l'heure Amadouche. Le point de vue extérieur, hein, sur les joueurs ne voient pas forcément les joueurs qui sont assis sur le trône, sur le fameux fauteuil rouge. Donc on sort maintenant. Le capot qui présente Vida, le capot pour Eden Hazard, le joueur de Chelsea qui a tenté la peine de corps. Bien, c'était par le défenseur croate. C'est l'excellent, c'est double arrêt de Thibaut Courtois. Attention aux erreurs hein, du côté dans les douches. 2-0, c'est pas la même donne. Le latéral droit qui amène un centre pour Mandzukic, son jeu de tête favori. Et la Belgique. Et une démolition de la Belgique. Hein. Le Lich pour Mandzukic. Le capitaine qui envoie encore une fois un énième centre. Alors là, Merengue qui va peut-être le tirer directement. Avant qu'une combinaison a été travaillée, le temps de Modric, c'est Mandzukic qui a combinaisé et c'est sur Thibaut Courtois en plein milieu. Allez, 25 minutes encore à jouer dans cette première demi-finale de la Coupe. Sur le grand écran, situé sur le champ de Mars. 70e minute, toujours 1-0 pour la Croatie. Alexandre Vassil est en train de valider et de mettre une option sur ses goals pour l'Espagnol. On entend les vendeurs vendre. Il est content, l'Espagnol. Il a fait du travail. Il mène 2-0 face aux Français. C'est la base du 3-0. Je vous en parlais. Et c'est bien le Pilatiero. Je vous en parlais. Et bien maintenant. C'est une domination quasi totale hein, pour. Le représentant de PSI Francom, Alex Alguacil,
venu tout droit d'Espagne pour essayer de remporter. Au nom de père Alex Alguacil, on va bien sûr prendre les impressions des deux joueurs. N'a pas eu de mal de faire play avant tout. Je vais commencer avec le perdant qui va venir avec moi à ma bûcher la Belgique. On va s'asseoir tranquillement. Est-ce qu'on peut juste contacter Lévi, s'il vous plaît, qui vient nous retrouver sur la scène. On va lui demander ses impressions sur cette compétition. Il s'est qualifié, lui, sur l'événement online, sur psig.com. Il est venu d'Espagne. Il a remporté les huitièmes de finale, les quarts de finale, et maintenant la demi-finale. Il va discuter à la finale face à la Moyenne d'Angleterre. Est-ce que nous pouvons avoir ses impressions sur cette rencontre? Et il aussi du sort venu de le Français est venu avec l'Allemagne, notre adversaire du jour. Allez, récupération pour Milner. Saling qui revient d'une position de hors-jeu. L'Allemagne qui a pour la plupart de ses joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens et mondiaux. On voit un milieu de terrain avec Schweinsteiger, Draxler, mais également une attaque. Thomas Müller et Mario Götze. On va chercher Charlot. Récupération de Barclay. L'Angleterre qui part en contre avec Klein. On évite le premier pack. Klein qui gagne du terrain. Lalana. On va chercher Sterling. Récupération pour la nationale Mannschaft. Les Utozil. Le casque de ski en profondeur, on va chercher Charlot encore une fois. Pour le moment, beaucoup d'échecs techniques dans les deux équipes. Attention à l'attaque du Mexicain avec Solic. Magnifique retour de Boateng. Magnifique retour de Jérôme Boateng. Ah, il nous a proposé un tacle parapluie. Ça revient sur le casque de ski. Attention à la nationale de la chasse, c'est goal. Ouverture du score pour les Allemands. L'Allemagne qui vient d'ouvrir le score dans cette demi-finale. C'était bien joué, c'était bien joué. Le ballon pour Solic. Petit réglage de manette. La grande finale aura lieu à 19h20 sur la scène Joffre, sur le grand écran. On va pouvoir vous exposer la finale de ce tournoi qui a commencé maintenant il y a un mois. L'Angleterre qui nous propose une attaque avec Sterling. On va chercher Milner sur le côté gauche. Sterling, simple de frappe. On essaie de rentrer dans la surface de réparation. On a été bousculé encore une fois par Mats Hummels. Récupération de Klein. L'Angleterre avec Klein et Barclay. On cherche des longs ballons pour tromper cette défense allemande composée de Mats Hummels et Jérôme Boateng. 34e minute, Allemagne 1, Angleterre 0. Milner avec Sterling. On essaye de développer un jeu ping-pong, un jeu de touche de balle rapide du côté des Anglais, qui pour le moment est en train de déstabiliser la défense allemande. Sterling, contre Poitiers, il est sur son pied gauche, peut-être le centre pour l'attaquant anglais Lalana.
Le ballon qui passe devant Daniel Meyer, récupération de Storage. Attention au tac. Attention au tac de Shane Sanger, capitaine de cette nationale en chat. C'est un carton jaune. Première discrète. Attention au coup franc qui est tenté au fin de pénalty. On s'en sort proprement du côté de la Germanie. Il égalise dans cette demi-finale. Kotex Toumas qui revient au score au fin de pénalty. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation pour l'Allemagne. Il faut prendre son temps. Essayer de construire ses actions. Temps additionnel, une minute. Klein qui va faire la remise en jeu sur l'ALA. Allez, on va rester là pour la fin de la première période. Égalité parfaite. 3 tirs 1. Une petite gorgée d'eau hein, pour le Mexicain. Et c'est parti pour la seconde période. Il faut y croire hein, du côté du représentant de Paris. Manque de chance pour l'Allemagne, c'est pas fini, on essaye de mettre le ballon au fond. Rommel qui est à 19 mètres exactement. Une combinaison peut-être ou une frappe directe. Et Thomas Müller, pourquoi pas la balle de 2-1 pour le Français. Et c'est magnifique le représentant parisien qui vient de prendre l'avantage dans ses. On va chercher la balle de 3 buts à 1. Sortie limite, mais efficace de Joe Hart. On avance et on recule à chaque fois. 73e minute, attention parce que le chronomètre lui continue à tourner. L'Angleterre est en train de se faire éliminer à moins qu'une réaction soit immédiate pour le Mexicain Schorle. Vas-y. L'arbitre qui laisse jouer. Ah, c'est haché des deux côtés, beaucoup de tacles, beaucoup d'anti-jeu. La finale de cette compétition, c'est le dernier représentant parisien, Antoine Schwach, qui vient de se qualifier pour la finale. Le Français qui est encore en course, on peut l'applaudir. Félicitations à lui. Il vient d'éliminer le Mexicain, c'était un gros match avec Antoine. Je vais te demander tes impressions et le Mexicain va rester avec nous puisque tout à l'heure on aura le match de la 3e, 4e place. On va se diriger vers les deux écrans, s'il te plaît. Antoine, tu es conscient que la plupart... Il a pressé Eden Hazard, récupération pour Bertrand. Car il est tout seul, il n'est pas hors jeu, il n'est pas hors jeu sur la ligne. Attention, au centre, il continue à pénétrer dans la surface de réparation sur son tête. Qui apparaissent à l'écran, 3 tirs pour l'Angleterre, 2 tirs seulement pour la Belgique, mais un but, une efficacité totale pour le moment. Dans ce match. Récupération à Sterling, et c'est encore une fois le contre amené par la Belgique et Dries Mertens. Storage, récupération de la bien, en une boue avec Eden Hazard, très bien de point de vue de la part de l'Angleterre. Malheureusement, l'Angleterre a fait plus sur le ballon dans ce match, mais qui. On a deux tactiques de jeu, qu'on appelle dans le championnat de France de football virtuel la formation serpent. Sur le grand écran, sur le champ de Mars. Il aura la possibilité d'assister à Allemagne-Croatie. Oh, c'était bien joué, la lettre des Anglais encore une fois pour Mertens, ça revient sur Wixel. Le docteur prépare à son tour. Récupération de la Belgique avec Wixel. On sent la pression dans cette fin de match, il y a une obligation. Lumière qui va chercher Wayne Rooney qui est complètement oublié sur le côté droit. Lumière qui a vu la tête de Bardi.
c'est reparti à 78 minutes. Le service commence à rentrer face à Thibaut Courtois. Le pack limite Philippe, mais le gardien Thibaut Courtois a fait confiance au défenseur. C'est le tour à l'évasion d'anticiper ce pack. Oh, c'est l'arrêt de Thibaut Courtois. L'arrêt de Thibaut Courtois, limite Philippe. On le réflexe est quasiment sur la ligne. Attention à l'égalisation qui est très très proche pour le joueur mexicain. Et là, Thibaut Courtois qui rassure. On arrive au temps additionnel, 3 minutes d'arrêt de jeu sont comptabilisées. Ah, c'est trop long, il s'agace le joueur mexicain. Il va falloir maintenant essayer de conserver la balle pour la Belgique. Et Amadouche qui participe à sa première compétition officielle virtuelle pour lui. Il représente, je vous rappelle, la marque Coca-Cola. Ce sera la victoire pour lui, il finira sur le podium. Troisième de cette compétition, Amadouche et son équipe de Belgique. On va bien sûr lui remettre son trophée et lui donner la parole. On a le trophée, la troisième passe qui est juste là. Alors, je suis pas le micro qui est la formation face au public, si tu veux bien. Alors, troisième de cette compétition officielle, virtuelle, de l'UEFA, en 2016, on a fait ça à chaud là. Ça fait plaisir, c'est ma première participation ici dans un tournoi professionnel comme ça. Je suis très content. Je vais jouer l'année prochaine. Pourquoi pas rejoindre le championnat professionnel pour lui. On rappelle le championnat professionnel qui commence aux alentours du mois d'octobre. On a 8 mois de compétition, il y a également le championnat de France et la Coupe du Monde. Première compétition, troisième place. Tu auras la possibilité bien sûr de à la marque Coca-Cola après avoir remporté un tournoi qualificatif sous la carte de l'UEFA. Un jour, un tournoi, une victoire. Exactement, en fait, j'avais pas le temps à l'UVACL pour venir tout le temps jouer aux qualifications. J'ai vu que Coca-Cola, pardon, c'était un top 30, donc j'avais le temps, c'est mieux, c'est une qualité, c'est un travail. T'as bien fait de venir car tu finis sur le podium de cette compétition. On aura par la suite, je vous rappelle, à 19h20, la grande finale qui sera diffusée sur le grand écran, sur le champ de Mars, 433 m² d'écran. La finale qui opposera le dernier Français qui est encore en liste. Ils étaient mis au départ, ils sont plus que deux, un Français et un Espagnol. Le Français aura l'Allemagne et l'Espagnol, je crois, c'est la Croatie. Ils n'ont pas pu choisir leurs équipes, c'est un tirage au sort qui a été fait il y a deux jours au carreau du temple par David Trezeguet et Christian Barambeux, qui étaient les parrains virtuels de cette compétition. On espère que le Français remportera cette compétition virtuelle en quelques minutes. Oh, une petite célébration avec la coupe là. Merci. Merci. Rémi, let's live it up.
football à 21h, l'Allemagne contre la France. Est-ce que la France va gagner ce soir? Rendez-vous à 21h pour le savoir. A tout à l'heure. Voilà, ils sont avec toi au bas de la scène, Geoffroy. Allemagne en finale de cette compétition virtuelle. Ouais. C'est chaud, ce qui est en train de se passer ici. Alors là, toutes les bonnes les émotions sont là. Antoine qui va évoluer avec la... Antoine, 13 minutes avant la grande finale, c'est la première fois dans une compétition que tu as autant de personnes qui t'ont pour gagner les deux fers, ça a apporté la victoire. Merci à vous les gars, merci à vous tous, merci. Criez fort, criez. Vive la France, tu l'as dit, on espère que les Bleus vont remporter leur match ce soir face à l'Allemagne et qui seront également défiés de Portugal. Thank you.
virtuel. Je vais bien sûr accueillir avant de lancer ce match l'adjoint à la maire de Paris en charge. C'est bien entendu de la part d'Antoine, représentant de la ville de Paris. Et que le Paris est capable avec Rudy Gère, il va chercher les utopies. Boateng qui va relancer cette France match en charge. Un seul match à jouer, c'est maintenant que qui va se jouer. Ce que vous avez pu voir auparavant, on a pas oublié un seul événement de cette compétition officielle de l'Union. Petit réglage tactique. Carton rouge au bout de quelques minutes de jeu. On est obligé de changer le dispositif. On va chercher Vida pour Obadej. Corluca. Vida. Leskovic. Vida, on repasse derrière. Corluca. On prend le temps de construire du côté des Croates pour déstabiliser le bloc allemand. Récupération de l'Allemagne. Antoine avec Podolski. Luka Modric pour Kovacic. La Croatie qui est très très bien garnie là, devant avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. Schweinsteiger. Opération Perisic. Attention à ne pas se faire contrer pour le représentant de la ville de Paris. C'était sans compter sur le physique de Rudiger. L'arbitre qui siffle une faute pour cette finale. Carton jaune, la biscotte pour Schweinsteiger. On est à 34 mètres du but pour Luka Modric. Badel, c'est joué en ligne 2, c'est bien joué tout ça, c'est pas mal. Centre pour la Croatie, attention Mandzukic, ça passe. Assez stressante, lui qui s'est qualifié il y a maintenant 3 semaines. C'est en quelque sorte leur euro à eux, hein, si vous voulez. Ils s'en souviendront. Toni Kroos, c'est très très bien défendu d'Alex Alguacil. Kovacic, oh, pas mal la feinte, hein. On va chercher Mandzukic. Le long ballon pour Draxler, contrôle poitrine, pourquoi pas emmener un centre pour le public qui est du côté d'Antoine, le dernier représentant français. Antoine 1, Alex Alguacil 0. Le représentant français est en droit de se diriger vers la victoire. Antoine. Le trophée qui sera remis tout à l'heure par monsieur Jean-François Martins. Pour le cas qui vient à laisser sur le mur. Prends le but. L'arbitre qui a laissé jouer. Attention, on va passer à la consigne qui évolue rapidement. La Croatie qui repart à sa tour à l'attaque. Perisic, Stamodic, Talonade, Pirovic. Et la partie Kovacic, le joueur qui n'est pas à se relever, ce qui profite à la nationale en chat. Il y a trop de déchets techniques du côté des deux joueurs. Pour la récupération de la Croatie, encore une fois, qui parle le jeu. C'est possible hein, pour la Croatie. C'est un 4-3. Face au 3-4-3. On va les émotions des joueurs à chaud tout à l'heure. Quand le match sera fini, on va arriver le gagnant de cette rencontre avant la remise des trophées, bien sûr. C'est le juge qui va chercher une chasse de l'équipe, attention. Bon,
Rakitic qui a fait son entrée au milieu du FC Barcelone. Thomas Müller pour Draxler, il est passé. Draxler, attention Ferretti. L'arbitre qui laisse jouer. Ah, là c'était une équipe. Là c'était une extrémiste. Lucas Modric. Il va falloir surveiller Rakitic qui a fait son entrée. Mandzukic, attention, attention les hors-jeu. Mandzukic, Mandzukic va faire Emmanuel Neymar. L'arbitre qui n'a pas sifflé une deuxième fois, c'est l'arbitre. La tangue qui récupère le ballon de Rodriguez. Attention, on va avoir le stress du côté d'Antoine. Mario, dans la surface de réparation, il a trop tardé. Il a beaucoup trop tardé, Mario. Allez, Antoine. Antoine, encore 15 minutes à tenir avant la victoire ici. Sur la scène de Jean-Claude et le champ de Mars également, puisque nous sommes retransmis sur le champ de Mars également. Il faut essayer de faire plaisir aux supporters français. Allez, Antoine. C'est bon, Antoine, c'est pour toi, t'es chez toi. Ouais, attention, Antoine, attention. Oh non, oh non, oh non, oh non, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer. L'égalisation de l'Espagnol. À 10 minutes de la fin, Mandzukic qui a joué la main dans la main. Tiens. C'est parti, il est parti dans le ciel. Il est parti dans la main. Attention, il s'est lancé Draxler. Voilà qui a joué à la tour à l'Ontario en tracteur. Rakitic qui a la responsabilité de réduire le score. Voilà, il y a les mains droites, l'Espagnol. Face à Neuer, s'il l'arrête, il est parti Antoine. Attention. Le pénalty d'avance, Brozovic qui s'élance. Et ah la panique, la panique pour Brozovic. S'il marque, il prend un avantage considérable, Antoine. Il a la possibilité d'avoir la balle de 3 buts avec Mario Götze. C'est milieu. C'est milieu et c'est raté. C'est raté alors qu'il y avait deux pénalty d'avance. Alguacil qui va venir récupérer ce trophée avec le drapeau espagnol en contre
C'est un moment assez spécial pour lui. Et il est bien sûr en anglais pour Alex. My best day in my life. I play again. I play best things with that. Bravo à lui, professionnel que j'avais à la Vendée. C'est juste extraordinaire ce qui s'est passé. On a demandé le premier, deuxième et troisième à Marouche. Je vais vous rejoindre Antoine et Alex à Al-Basile. C'est vous qui avez venu nous retrouver avec les prophètes. Alex, allez, ça, je vous allez, on va juste une petite marginale du podium. Allez, c'est son drapeau et son mur. À ma bouche, le deuxième français. On a deux français dans le podium. Et le projet de sa bouche, le deuxième français, le premier, c'est l'Espagnol. Félicitations à lui. Il remporte ses premières éditions de la compétition du CGP 2003. Merci les gars, les gars, les super. Les gars, 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 les joueurs, et on remercie également le Louvre-Bas. Je vous rappelle que sans le Louvre-Bas, on aurait pu avoir cette compétition virtuelle. Tout un petit plein qui aurait pu attribuer à cette organisation, au bord des pays, des fédérations et des régions. Et également, la police à plus, comme un mix, bien sûr, tous les joueurs qui ont participé. Vous, le public, également, on vous remercie. N'oubliez pas à les petits pleins, les artistes, les offenses. Pour ma part, j'espère que vous avez trouvé une autre fois, pourquoi pas pour une Coupe d'Europe ou une autre compétition. Et en attendant, tous ensemble, je pense que vous êtes d'accord. Ce soir, on s'en aille. Allez les bleus! 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 Merci à tous! Allez les bleus! Yeah, tomorrow you will be on the stadium. Okay. Yeah, photo is okay. You see my WhatsApp this morning? Ah putain, Antoine, on a perdu. On a perdu.
Ouais, c'est clair. Like this, yes. Okay, can you give us a small resume of the final and tell us your impression about it, please? All I say is when I come to Paris is to be here with the best players in Europe, with this amazing heaven and the fans on the Tour Eiffel. It was amazing to be here. Well, when we start the tournament with Croatia, maybe not the best, but well, I start to play, I'm feeling good with the team. Well, I'm to be here, semi-final, finals, I started down 1-0 with a red card. After the penalties, 2-0 down, and I get the comeback, so it's amazing. So thanks for all, for the World Gaming Federation, Konami, all the partners, really, it's amazing. Thanks for all. Thank you very much. Yeah? It was perfect. It's enough. Thank you very thank much. You. Thank you. Thank you. Compétition, en fait. Je t'adresse à moi. Okay. Alors c'est comme tu veux, dis-moi ce que t'as pensé de la compétition et comment t'as vécu ce dernier match. Alors est-ce que tu peux nous dire comment t'as vécu cette compétition et surtout ce dernier match, cette finale? Le début du match, comment ça s'est passé, s'il te plaît? Il a quand même une bonne équipe, l'équipe d'Angleterre, hein, donc, qui a été éliminée dans l'Euro réel très tôt dans la compétition. Mais là, je vous rappelle, c'est la compétition officielle virtuelle de l'UEFA Euro 2016. Ce ne sera pas Allemagne-France, mais Allemagne-Angleterre d'ici une bonne vingtaine de minutes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le mental, la compétition, le mental, et voilà, c'est le mélange des deux qui
Tu vas, comme tu l'as fait hier,
nous expliquer ce qui a pu se passer dans cette demi-finale, car clairement, on a assisté à un match à sens unique, on peut le dire, une domination totale du représentant espagnol avec la Croatie. Finalement, tu avais l'avantage sur le papier. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce match qui apparaît devant nous. Tu l'as défié soit le représentant de la ville de Paris, soit le Mexicain avec l'Angleterre. D'ailleurs, est-ce que tu as un petit pronostic entre l'Allemagne et l'Angleterre? Là, une finale Croatie-Allemagne. Ça va être serré. Mais une préférence pour l'Allemagne. Ils sont forts sur le papier. Tu veux aussi, surtout dire aussi que le représentant allemand est un Français, tout comme toi, et c'est pour ça que tu lui souhaites bonne chance. On va accueillir le champion et le premier qualifié pour cette finale, Alex Alguacil, qui va me rejoindre. Alors, Alex Alguacil a acquis la possibilité de s'exprimer en espagnol ou en anglais. Il peut s'exprimer en anglais pour le public qui est devant nous. Est-ce qu'on peut juste contacter Mehdi, s'il vous plaît, qui vienne nous retrouver sur la scène. On va lui demander ses impressions. Il est venu d'Espagne. Il a remporté les huitièmes de finale, les quarts de finale et maintenant la demi-finale. Il va disputer la finale face à l'Allemagne ou l'Angleterre. Est-ce que Mehdi, on peut avoir ses impressions sur cette rencontre? La demi-finale, la deuxième demi-finale dans quelques instants, mais avant tout, il y a bien sûr les réglages des manettes et on va en profiter nous pour laisser un petit entracte rapide et on prendra les impressions des... Dans moins de 2 minutes, on va lancer la deuxième demi-finale car les joueurs sont maintenant prêts. Le représentant de la ville de Paris, Antoine alias Anonymous, évoluera avec l'Allemagne. Alors que de l'autre côté, on aura le Mexicain qui lui évoluera avec. Entre les deux joueurs, je vous rappelle que celui qui joue avec l'Allemagne, c'est le.